Alors, se former à l'officine sur la préparation magistrale est aujourd'hui une nécessité, surtout en pédiatrie. Aujourd'hui, beaucoup de nos confrères pharmaciens pensent qu'ils n'ont plus le droit de réaliser de préparation pédiatrique, ce qui n'est absolument pas le cas. Le pharmacien pense que depuis 2014 et le décret de novembre, ils ne peuvent plus réaliser de préparation. La réalité, c'est qu'ils peuvent sous-traiter des préparations ou les réaliser eux-mêmes s'ils ont les autorisations ARS, mais ils ont une absolue nécessité de délivrer une préparation pédiatrique. Sinon, nous nous retrouvons dans des situations inacceptables où le papa ou la maman doit casser des comprimés, écraser ses comprimés lui-même pour pouvoir les donner à son enfant qui est malade. Et la préparation magistrale répond totalement à cette problématique en ayant une forme galénique adaptée et une sécurité au moment de l'emploi.